Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Et moi, je ne vais pas bien du tout. C'est la vie qui commence ta vidéo en mode non, ça te va absolument pas. Parce qu'en fait, je suis en train de faire cette vidéo pendant qu'il y a un orage de malade. On est en vigilance orange de là où je filme. Et du coup, j'ai peur des orages. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez peur des orages ou pas. Voilà, moi j'ai surtout peur du bruit des orages, plus que l'orage en lui-même. Mais bon. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo relooking. Ça fait un petit moment que l'on n'en a pas fait. Et du coup j'ai décidé maintenant de faire de relooking tout simplement aux personnes qui m'avaient laissé. Alors ces personnes l'ont fait sans même savoir que j'allais le faire. Mais du coup c'est pour les personnes tout simplement qui m'ont soutenu sur Utip et qui m'ont laissé un petit commentaire. Donc là la personne qui m'a soutenu c'est Demozen Moon. Bien bonjour, je rêverais que tu me relookes, mais je ne suis pas VIP et je n'ai que des vêtements moches. Sinon je t'aime, t'es la meilleure, bisous. Mais en tout cas j'aime bien cette honnêteté dans son commentaire en disant oui je ne suis pas VIP et j'ai que des vêtements moches. Bon le VIP en soi voilà ça change pas grand chose, on peut très bien ne pas être VIP et avoir pas mal de jolis vêtements. Mais là pour le coup que des vêtements moches. Mais on va essayer de faire quelque chose de joli. On va essayer de faire quelque chose de joli. Et du coup je rappelle que le soutien sur Utip c'est gratuit. Et en fait lorsque vous allez sur Utip, vous pouvez regarder une publicité gratuitement. Le lien est dans la description. Et à la fin de la publicité me laisser un petit message. Bien sûr si vous souhaitez. Voilà. Et bah écoutez je vais relooker cette personne. Voilà qui est là. Donc elle est niveau 8. Je vais envoyer une petite invitation. Quelqu'un peut aider. Ouais, ah mince. Niveau 6 à Midori dépressif car elle est dépressif. J'aime bien le pseudo Midori dépressif car elle est dépressif. Oh la pauvre. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à soutenir aussi Midori dépressif. Je crois que je sais pas si le E c'est une faute ou pas. Mais on va envoyer aussi un petit auto. Et puis, bah, tout simplement, on va aller relooker cette personne en espérant que je puisse faire quelque chose de bien. Voilà. Ce serait cool quand même. On regarde un petit peu les looks. Ok, donc c'est parti, on va essayer de relooker. Ouh, bah elle a quand même une jolie robe. Elle a quand même des jolies affaires. On va quand même essayer de faire quelque chose de différent. On va regarder un petit peu. Donc on va commencer par le haut. Donc je vais essayer de prendre... C'est trop facile de prendre cette robe-ci. Hein. C'est trop facile de la prendre. On va essayer de trouver un look sympa, mais avec d'autres affaires. Donc là, on voit qu'il y a une seule page. Alors, est-ce que je mets le haut là? Plutôt ce haut là. Et là, le... ouais, non, ça, je trouve que ça va. Bon, il y a un petit bout du bas, enfin du haut qui dépasse ici. Là, vous voyez le petit pixel là, en trop. Mais en soi, je trouve que ça passe. On va voir. Bah là, on va mettre un jeans comme ça. On va mettre un jeans comme ça. Pour les chaussures, on va mettre... ceux-là, ils sont cool, mais vu que le look, il fait un peu plus rock... Oh, claquettes chaussettes. Est-ce qu'elle a des chaussettes? Non, elle a pas de chaussettes. C'est dommage. Je voulais mettre des claquettes chaussettes, moi. Ah, ça, elle les porte déjà. Donc, voilà. Petit bandana, mais j'ai pas mis... j'ai pas... Bah, quoi? Elle est jolie, chauve aussi, la movie star. Bah, tiens, on va mettre ses cheveux-là. En claquettes. Voilà, claquettes, mais pas chaussettes. Mais c'est pas bien grave. Bon, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Effectivement, elle a pas forcément beaucoup d'affaires, mais elle a quand même de jolies... Oh, ça c'est sympa. Non, on va plutôt partir là-dessus. J'avais pas vu à cause de l'onglet qui est marqué dessus, là, le cadre. Mais en vrai, c'est sympa avec le petit bandana, tout ça, petit look assez rock. Bon, les chaussures, elles... Est-ce qu'on mettrait pas du coup plus celle-ci? Mais non, j'ai envie de partir dans les claquettes. En plus, il fait beau. Enfin, pas aujourd'hui, il y a de l'orage, mais en général, il fait beau. Donc on va partir, ouais, on va partir là-dessus et au lieu de... Ouais, je vais maintenant, au lieu d'écrire Quinzel et passer par là, je vais mettre des petits titres de vêtements rigolos. Par exemple, on va mettre claquettes, mais pas chaussettes. Voilà. Claquettes, mais pas chaussettes. Il n'y a pas les chaussettes, mais c'est pas grave. On va envoyer pour les votes, bien sûr, parce que je suis sûre qu'on va avoir plein de votes positifs pour ce look. En tout cas, merci beaucoup à toi pour le soutien. Et on passe à la personne suivante pour le relooking.
La personne suivante qui m'a laissé, alors encore une fois, je vous rappelle que c'est ma première vidéo où je prends les soutiens Utip pour faire des relooking. Du coup, pareil, cette personne, je pense, ne s'attend pas à cela. Mais du coup, recoucou, c'est Princesse 571. Tu pourrais me faire un relooking un jour. STP, t'as du choix dans mes vêtements. Bisous, je regarde les autres pubs. Je t'adore. Gros bisous. Bah, merci énormément pour le soutien, vraiment, enfin, pour les soutiens, parce que c'est vrai, effectivement, je l'ai vu plusieurs fois me soutenir. Donc, merci beaucoup à toi, je te fais un très gros bisou si tu regardes cette vidéo. Et bah écoutez, c'est parti, donc apparemment il y a du choix au niveau des vêtements. J'ai envie de partir sur des trucs originaux pour faire justement des titres de tenues originales. On va essayer de réorienter, parce qu'au début j'aimais bien les vidéos relooking. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, toujours relooker, toujours essayer de faire quelque chose qui me plaît. On peut très bien aussi faire quelque chose qui me plaît, mais dans l'originalité. Ouh, elle est niveau 50 quand même, princesse. GG à toi. En plus, très gros niveau. Très très gros niveau. Bah tiens, je t'envoie un auto également. Et on va partir, donc ouais, je pense que là, je pense qu'au niveau du choix, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut au niveau du choix. Donc là, ouais, bah jaune, ça c'est changement de couleur jaune. Bah oui, bah c'est très bien, je valide la couleur jaune, oui, la couleur jaune, je valide. Mais elle fait déjà de très beaux looks, je regarde à peu près ce qu'elle a pour essayer de ne pas refaire. Oh, mais j'adore, mais... Ok, on va lui faire un look, on va lui faire un look. Ok, j'ai envie de faire un look jaune maintenant. Mais elle est déjà jaune. Bref, bon, en même temps, c'est pour ça qu'elle a du jaune, parce qu'elle l'a acheté. Eh ouais. Eh ouais, on enlève tout. On enlève tout, les bracelets, tout, les chaussures. Et on repart sur un look. Voilà, donc ça, c'était ce... C'est une très jolie robe, mais bon, on va peut-être aller un petit peu... Oh, mais non, je peux pas mettre ça. C'est trop facile de reprendre les objets des packs. C'est trop facile. It's too easy. Ok, on descend en bas. Bah, je pense qu'on va descendre plutôt vers le bas, parce que je pense que plus on descend vers le bas, plus c'est des choses qu'elle a pas utilisées récemment. On va essayer de faire un mix. Voilà, on va faire hop, bim, on tombe sur la page 17. Ah oui, ça c'est l'imitation du pack de la Saint-Valentin. Enfin, après, peut-être qu'elle a acheté juste parce qu'elle aimait bien la robe. Hein. Voilà. Oh. Oh, on va partir là-dessus. Ça c'est original. Je l'ai jamais utilisé dans aucun relooking. Et là c'est bonjour, je suis madame hôtesse de l'air. Ou bien on peut faire une madame policière, je sais pas trop. On va voir au niveau des accessoires ce que l'on trouve. Mais du coup, là on n'a pas besoin de pantalons. Mais les collants, des fois, ils sont dans les pantalons. Du coup, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On regarde s'il y a des collants ici. Bah, il y en avait un. Regardez, là, j'en ai raté déjà un. Mais celui-ci. Celui-ci, il est bien. Ça fait genre classe. Mais là, du coup, ça fait moins... À cause des petites pépites de brillance sur les collants, et bien, du coup, ça fait moins strict, ça fait moins carré, ça fait moins... Voilà. Très belle jupe aussi. Elle a quand même de très belles affaires. Elle a beaucoup d'affaires. Mais c'est vrai que là, si je veux faire un truc... Faudrait juste un collant simple. Au pire, bon, on va peut-être pas en mettre du coup, hein, sinon ça va faire trop habillé. Pour les chaussures, il faudrait des talons simples, je pense, noirs, basiques. Ouais, non, là, ça fait tout moche. Hein. Quoique, on peut pas faire sur un truc gothique. Mais non, ça part de mon idée de base. Mon idée de base, c'était pas ça. Il me faut vraiment des talons noirs, simples. Bon, ça, c'est pas très simplicité quand même. C'est des cuissardes. Ça, ils sont sympas, ceux du pack, mais... elles sont pas assez sobres. Bah, sinon, il y a ceux-là. Pourquoi en noir? On peut très bien prendre du blanc. Et ceux-là, ça va, parce que c'est pas des grosses plateformes, des gros talons. Et du coup, ça passe. Il y a aussi ceux-là de la Saint-Valentin. Ça, c'est le pack de la Saint-Valentin. On va voir pour les cheveux, et on finira par les accessoires. Donc, pour les cheveux... Where, what we can do. Oh, ça c'est une coupe de mariée. Elle est sympa, je l'avais jamais vue. On n'est pas obligé de partir sur du noir, noir forcément. Ça c'est trop beau comme coupe aussi, j'adore ce genre de dégradé châtain blond. Voilà, c'est trop beau. Regardez la coupe là, c'est la coupe du pack. The pack of the month. Du mois. Oh, ça c'est le pack du mois dernier.
Ils sont vachement beaux. Vachement beaux. Mais c'est pas ce que je recherche pour cette tenue-là particulièrement. Donc là, je recherche plutôt quelque chose d'un peu plus sobre, encore une fois. Pour travailler, voilà, c'est bonjour, je suis hôtesse. Peut-être que ce sera le titre du vêtement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez mis comme titre de vêtement. Un truc drôle, hein, c'est drôle de préférence. J'ai envie d'utiliser cette coupe, tiens, elle est originale. Et genre, ça fait genre l'hôtesse un peu trop brushing. Elle s'est trop brushing les cheveux. Et ça a donné ça, le méga brushing des cheveux. Pour les accessoires, on n'a pas besoin de grand chose. Faut que ça reste, encore une fois, sobre. Quoique, j'ai envie de mettre... Ouais, là je valide. Qu'est-ce que vous en pensez du petit chapeau? Elle va super bien avec la tenue. Et si je rajoutais ça? Ça donne un petit plus. Vous savez, un petit plus à la coupe, genre oh, mais cette coupe je l'ai jamais vue, tu sais, tu rajoutes une frange et ça te crée quelque chose de nouveau. Bah écoutez, on va pas lui mettre de boucle d'oreille parce qu'on voit pas ses oreilles avec la coupe. Donc pas besoin. On peut quand même lui mettre des tatouages. Ça fait l'originalité. Les petites pépites de brillance sur le visage. Ne me demandez pas pourquoi je les appelle comme ça. Je ne sais absolument pas. Mais je trouve que la tenue, là, elle est bien. Parce que comme j'ai dit, les jambes, je vois pas de collant opaque. Donc, moi, voilà, je trouve que là, c'est quand même bien fourni au niveau des accessoires. Il y a quand même pas mal au niveau du visage, les tatouages, le petit chapeau, les petites étoiles de brillance. Et je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Hein. Là, ça fait genre capitaine de bateau, limite. Ça fait même plus hôtesse de l'air, ça fait capitaine. Ouais, j'ai bien fait de continuer sur les pages. Hein. Voilà, ça, c'est magnifique. On adore. Et là, on va appeler ça... ça, c'est délicat. Va falloir trouver quelque chose de cool. Ça veut dire bonjour. Bonjour. Attends, on va mettre entre parenthèses hein, pour le bonjour. Hein, voilà, parce que sinon, c'est pas la même chose. C'est, tu vois, le petit détail. Bonjour. Hein. Je suis capitaine de bateau. Hein. On va mettre le... Oh, voilà. Magnifique. Moi, j'adore. Mais du coup, j'aurai pas le temps pour un troisième relooking. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si cette nouvelle façon de faire les relookings vous plaît ou pas. Mais moi, en tout cas, je me suis beaucoup amusée à les faire. Et du coup, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas. Voilà. Donc, voilà des petits... Partir plus sur des recherches de tenues, quelque chose d'original, que vraiment de faire quelque chose qui me plaît. Mais en gros, ça me plaît, mais c'est original. Bref, vous m'avez compris. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire également en commentaire les idées des titres, comme je vous l'avais dit. Voilà, ça peut toujours m'inspirer. Après, je vais être là, ah ouais, j'aurais peut-être dû appeler ça comme ça. Voilà. Bah écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao!